Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 25 mai, j'ai une tête pas possible parce que j'ai fait du sport tout à l'heure et pour l'instant je ne me suis pas encore douchée parce que là je vais encore m'occuper du jardin. Si tu ne sais pas de quoi je parle, et je ne sais même pas quand est-ce que je vais mettre ce vlog, mais en tout cas suis-moi sur Instagram parce qu'en fait je vous dis qu'on faisait un milliard de choses dans le jardin là en ce moment. Du coup il faut que je déplace des pierres, donc je vais transpirer assez, j'ai pas besoin d'être propre pour ça, voyez-vous. Donc j'ai vraiment une tête de merde, hein. J'ai les cheveux gras parce qu'il faut absolument que je me lave les cheveux. En plus de ça, enfin je me serais lavée quand même à la base, même avant d'aller ramasser les cailloux. Mais j'attends un colis pour New Hope, sauf que il donne un délai de passage entre 8h et 18h. Donc voilà, donc là il est 14h26. Personne n'est passé encore. Je suis levée depuis 8h du coup, bien évidemment, pour attendre le colis. Puis bon, bah, de toute façon, j'ai repris un rythme où je me lève tôt, donc c'est très bien. Puis je me sens mieux comme ça, au moins je fais mon sport le matin, enfin bref. Et du coup, bah, j'attends, et vu que bah, il faut que je me lave les cheveux, bah, ça met du temps. Parce que si je me lave juste le corps, j'en ai pour 2 secondes, donc à la limite, le mec, s'il est là, genre, je sors de ma douche en 2-2, bam, bim, bam. J'enfile un truc en 2 secondes, ça va. Et genre, je me lave les cheveux, j'ai les cheveux trempés, enfin non, c'est pas possible, limite, puis j'entendrai même pas arriver. Donc voilà, donc je suis dégueulasse, je suis navrée, j'ai un bête de bouton là, je sais pas, ce connerie, on dirait que j'ai un piercing, genre je sais pas ce que c'est ce délire, enfin bref. Du coup, je voulais trop vous montrer parce que je suis trop contente. J'ai enfin reçu, bah, après c'était pas trop long, mais après ils avaient prévu de toute façon que ça allait être long avec le coronavirus, je filme n'importe comment. Ma petite commande cellule Blue, je suis trop contente. Du coup, ils ont changé le packaging. Ils ont fait des produits beaucoup moins chers. Moi j'ai déjà essayé il y a 3 ans, quelque chose comme ça. J'avais essayé du coup les ventouses, je ne sais absolument pas ce que j'en ai fait, donc du coup j'en ai racheté parce que avec le déménagement je sais qu'elles sont ici, mais impossible de mettre la main dessus. J'ai fouillé partout, alors je me dis ça se trouve c'est dans le bordel dans le garage vu qu'il y a encore quelques cartons qu'on n'a pas complètement vidé, voilà, avec du bordel, et tout c'est dedans, et c'est tellement le bazar parce que vu que les déchetteries étaient fermées, on a pas mal de bordel qui sont accumulés, des cartons, des colis, etc. Je disais donc, vu que Kylian aussi bosse à la maison, il a besoin de commander des trucs, donc on a eu pas mal de cartons, donc c'est le dawa. Bref, tout ça pour dire que j'ai commandé ce cellule Blue, il parlait de la nouvelle gamme, j'ai vu plein de placements de produits, etc. là dessus du coup j'ai regardé leur nouvelle gamme et j'ai eu trop envie parce que bah, quand j'ai essayé du coup il y a 3 ans, j'avais du coup, j'ai même pas fini ma phrase tout à l'heure, j'avais les ventouses, donc il y avait petite et grande ventouse, et j'avais pris du coup, non j'avais même pas pris l'huile, j'avais acheté une huile moi-même, ouais j'avais acheté une huile moi-même, mais qui n'était pas très bien, mais par contre, enfin qui n'était pas très bien parce qu'elle n'était pas assez huileuse en fait, et donc du coup elle séchait très très vite, elle rentrait très vite dans la peau, du coup ça faisait très vite mal, il fallait que je mette énormément de produits, bref c'était très chiant, et je l'avais fait pendant 1 mois ou 2 je crois, peut-être 2 mois, et franchement ma cellulite, mais elle avait tellement diminué, et je le faisais vraiment tous les jours, il n'y avait pas un seul jour où je le faisais pas, enfin bref, du coup j'avais adoré, donc je me suis dit que j'avais trop envie de reprendre, vu que là je fais du sport et tout, j'aimerais bien vraiment diminuer ma cellulite parce que c'est, j'aime pas ça en fait, enfin, ça me dérange, je trouve pas ça moche, mais sur moi j'aime pas en tout cas. Donc, par contre, j'ai pris une gamme et tout, parce que j'avais il y avait un code promo, je crois, quand on prenait un pack. Et voilà, du coup, je crois que j'ai eu 10% ou quelque chose comme ça. Comme... Du coup, voilà comment ça se présente. Là, c'est dans un petit pochon comme ça que je vais pouvoir réutiliser. Du coup, c'est vachement bien, genre pour mettre des sous-vêtements ou mettre genre son maillot de bain et tout quand on va quelque part. Genre, je trouve ça vachement bien. En suédine un peu, qui est très joli, du coup, avec marqué cellule Blue dessus. Et il est bleu, du coup, bah, de toute façon, c'est un petit peu leur couleur. Hein. Alors... Donc du coup, j'ai pris la gamme Cryo Fever. Donc du coup, l'intérêt de cette gamme, c'est qu'en gros, ça rafraîchit. C'est froid en fait quand on met. Et je me suis dit, avec la venue de... Et cet oiseau est infect. Il doit y avoir un nid, là, c'est pas possible. Il est infect, cet oiseau, depuis tout à l'heure. Ouais, je suis vraiment navrée. Alors, j'aime beaucoup les oiseaux qui chantonnent, mais là, ils braillent, voilà. Du coup, le but, c'est que bah, ça rafraîchit, en fait. Il y a ce côté un peu mentholé, enfin, je sais pas comment dire, mais qui rafraîchit beaucoup. Et j'avais trop envie de tester, parce que je me suis dit, avec la chaleur qui arrive, ça va être juste génial, quoi, à faire. Donc, j'ai pris... Je vous sors tout ce que j'ai pris. Hein. Alors, voici la gamme, du coup... Là, il y a tout. Alors, ici, il y a l'huile de massage cellulite
tonifiante, donc qu'on utilise bien évidemment avec la ventouse. Donc ils ont changé la ventouse, maintenant ils vendent plus qu'une ventouse qui est plutôt grande, alors que avant, comme je vous disais, il y avait la grande et la petite ventouse. Maintenant ils en font plus qu'une comme ça, donc bah, écoutez, ça doit être très bien. Ils ont vachement baissé leur prix, vraiment c'est un truc de fou, donc franchement allez voir si vous aimez ce genre de truc. Moi j'ai trouvé ça extrêmement efficace, en tout cas pour la ventouse. Après je vais voir avec leur huile à eux, parce que moi j'avais acheté une huile, je crois que c'était le petit marseillais. Voilà donc du coup pour ça, donc c'est inspiré de la cryothérapie, donc voilà, comme je vous dis, ça fait cet effet froid, donc voilà, et apparemment l'huile est géniale, donc on verra bien. Ensuite j'ai pris, ah oui bah attendez, je vais vous dire, pour ça aussi j'ai pris cette espèce de machin là, en fait c'est pour casser je crois la graisse ou une connerie comme ça, enfin moi j'avais trop envie de tester, ça faisait un moment. C'est vrai qu'il y a quelques années, bah, j'avais pas forcément les moyens en fait d'acheter, parce que bah, déjà c'était assez cher, et puis j'avais pas forcément les moyens d'acheter ce genre de truc. Je mettais des sous plus dans autre chose. Ah bah voilà, j'ai voulu tester. En plus, c'est des trucs, je pense que ça dure limite toute la vie. Bon, peut-être que si à un moment là, ils ont une sale gueule, bah on change. Ça, bah bon, je sais pas combien de temps ça va me durer. On verra bien en fonction de la fréquence dans laquelle je la fais. Mais du coup, c'est à faire de préférence le matin. Donc moi, je ferai ça le matin. Ils disent mode d'emploi, appliquer donc en mouvement circulaire sur les zones avec de la cellulite. Idéal pour réaliser massage avec les accessoires cellule blue. La ventouse, pardon, et le petit machin là. Donc par contre, ils disent que c'est déconseillé aux femmes enceintes apparemment. Mais il me semble qu'ils ont une gamme pour les femmes enceintes. Donc si jamais t'es enceinte, bah voilà, ils ont des gammes pour. Bref, mais en tout cas, j'avais regardé un petit peu, ils présentaient ça et je crois qu'ils disaient que c'était bien de faire ça le matin. Donc moi, je pense que je ferai ça le matin. C'est plutôt agréable, je trouve, parce qu'ils ont une gamme d'ailleurs pour la nuit, il me semble. Et j'avais hésité d'ailleurs entre les deux. Ensuite, alors, en général, je ne crois absolument pas en ces trucs. Donc on verra bien. Après, j'ai vu beaucoup d'avis. Donc j'ai pris, bah, tout ça, c'est la gamme Cryo Fever. Donc ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais là, c'est le gel minceur froid pour le ventre et les hanches. Donc, on verra bien ce que ça donne. Pareil du coup avec l'effet froid, tout ça. On verra bien ce que ça donne, si ça marche ou pas. En même temps, je fais du sport et là, j'ai commencé en plus de ça. Si tu me suis sur Instagram, encore une fois, suis-moi sur Instagram parce que je parle de ma life tous les jours. Si ça t'intéresse de connaître ma vie, ce n'est pas très intéressant. Mais je vous ai dit que je commençais là, donc j'ai commencé aujourd'hui réellement, même si j'ai fait une séance samedi, mais c'est sur 5 semaines. Donc normalement, ils te disent de commencer le lundi. J'ai commencé des séances, tout un programme de 5 semaines avec Let's Train. Donc, j'en ai entendu parler grâce à Léna Situation qui avait fait tout un coaching avec eux et qui a perdu énormément de poids, qui a eu une silhouette beaucoup plus musclée, beaucoup plus, enfin bref. Donc moi, mon but n'est pas forcément de perdre du poids, j'aimerais bien en perdre un petit peu, mais c'est surtout de prendre du muscle, de m'affiner et que voilà, j'ai le moins de gras possible. C'est vraiment ça. Et puis voilà, d'avoir des plus jolies formes, tout ça, d'avoir un cul un peu plus bombé, tout ça. De redessiner un peu mon ventre, puisque je suis vachement complexée par ça. Alors je sais que je n'ai pas un gros ventre, mais j'ai la petite brioche là en bas qui me dérange. Alors c'est vraiment ça là, genre juste ça. Donc j'ai pas grand chose, mais c'est déjà trop et j'aimerais bien du coup faire fondre tout ça. Bref, du coup je me dis que peut-être que les deux ensemble ça peut être bien, sport plus ça. Donc ça c'est pour les hanches et ça c'est pour les cuisses et les fesses. Voilà, c'est la même chose, gel minceur mais pour les cuisses et les fesses. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon ça peut que faire du bien parce que ça a un effet frais, etc. Donc du coup ça peut, c'est très très bon, je sais, pour les graisses, pour la cellulite, de mettre du froid. D'ailleurs on conseille très souvent de pour le dernier rinçage pour les cuisses, sur le corps, etc., de se rincer avec de l'eau plutôt froide. Moi j'essaie de le faire là un peu plus, l'hiver c'est un peu compliqué, mais l'été, bon, c'est beaucoup plus facile de se rincer comme ça, au moins les cuisses vite fait à l'eau froide, ça fait du bien. C'est meilleur pour quand même pour la peau, pour le corps. Pareil, en fait, les deux trucs, visiblement, il faut appliquer des mouvements circulaires en massant en fait les cuisses, les fesses et là le ventre et les hanches. Alors là, pour ces trucs-là, ils disent facilite. Donc, alors, pour les cuisses et les fesses, ils disent favorise la diminution des amas graisseux et affine les zones ciblées par le froid. Et ensuite, celui-ci, ils disent facilite le déstockage des amas graisseux et affine les zones ciblées par le froid. Bon, ils ont écrit les choses d'une autre manière, mais ça veut dire en soi un peu la même chose, hein. Voilà, et là ils disent prépare la peau et favorise un massage anticellulite tonifiant par le froid, parce qu'effectivement si vous faites ça sans gras, ça va vous faire grave mal, hein, je vous le dis, c'est horrible. C'est pour ça que moi mon huile je l'aimais pas trop, mais par contre j'avais eu des résultats de malade, j'avais vraiment, ça avait diminué en cellulite, c'était un délire vraiment, cette ventouse, c'est trop bien. Mais c'est vrai qu'il faut s'habituer pendant les premiers jours. Donc je suis trop contente. Et c'est pareil,
J'ai vu qu'apparemment, ils mettaient au frigo. Donc, faut bien que je revérifie. Mais je suis quasiment sûre que la nana qui présentait ça, elle mettait au frigo. En tout cas, elle mettait ces deux trucs-là. Je me souviens plus si elle mettait l'huile. Mais en tout cas, elle mettait ces deux trucs-là au frigo pour qu'il y ait encore plus un effet froid. Donc, je vais aller regarder ça. Bref, je voulais trop vous présenter ça et vous présenter, vous montrer quoi, mes achats. Là, je vais aller m'atteler à m'occuper du jardin. Voilà, donc je vous reprendrai un autre jour, peut-être, un autre moment de la journée. Voilà. Donc, je vous dis à plus dans le bus. Bon, je vais commencer ma séance. Il est 11h30. C'est la merde parce que faut que je fasse à manger après. Donc, je sais pas comment je vais faire. Kylian ne mange pas trop tard. Du coup, je suis en pleine réflexion. Est-ce que je fais plutôt cet après-midi, genre. Bon, bah je la ferai après manger parce que j'avais pas réalisé l'heure. Il est 11h30, il faut que je fasse à manger pour Kylian. Donc, et là, vu que la séance... Enfin, il faut que je fasse l'échauffement. Ensuite, je vais faire, comme je l'ai dit, une séance de cardio. Parce qu'ils disent que sinon, il faut que j'aille courir. Et comme je l'ai dit, vu qu'en plus j'attends un colis, c'est pas possible, je vais pas aller courir et j'aime pas ça. Donc j'ai trouvé une séance de cardio qui est bien. Moi, je suis beaucoup les séances de cardio de Sissi. Sinon, beaucoup de gym direct. C'est vraiment cool. Donc là, j'en ai trouvé une, je vais pas faire la même qu'hier. Et c'est cardio intense sport co 11. Voilà, c'est un mec qui fait la séance avec... il y a toujours deux autres personnes en général derrière eux. Donc je vais faire ça et après en fait c'est des circuits qui donnent. Il faut les faire et puis on a le nombre de secondes qu'il faut qu'on fasse pour chaque exercice. À chaque fois, chaque circuit, il faut qu'on les fasse 3 fois. Voilà, entre chaque circuit, il faut qu'on ait 1 minute de repos. Clairement, je vais pas avoir le temps, c'est pareil, ça va me prendre encore 1 heure, plus les minutes de pause, etc. Et après, il faut s'étirer. Donc le truc d'étirement, il dure environ 5 minutes. Donc j'aurai jamais le temps de faire à manger, plus, c'est pas possible. Faut que je fasse vraiment à manger pour Kylian quand il rentre, parce que sinon, il a pas le temps de manger. Je vais aller m'y mettre, et puis voilà. Je voulais aussi vous dire... Pour cet après-midi, quand je vais faire du sport, ne faites pas attention au bordel qu'il y a derrière. Bon, là, c'est le tapis que je mets de côté, mais après, je vais l'utiliser. Je vais pas l'utiliser pendant le cardio. Et après, c'est pareil. Si tu ne me suis pas sur Insta, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a un moment, je ne peux pas t'aider. Et en gros, j'ai changé les vêtements d'hiver avec les vêtements d'été. Donc là, il y avait les vêtements d'été qui étaient dans les sacs comme ça. Donc là, je faisais tout simplement l'échange. Et en même temps, j'ai refait du tri. Donc tout ça, ce sera sur Vinted. Après, il y a les petites coques qu'il y avait avec, avec les brassières, d'ailleurs, que je porte là de chez Ocean's Apart. Et là, c'est du bordel, clairement, que je dois tout simplement ranger. Voilà. Puis il faut que je range mon bureau qui est en bordel aussi. Enfin, mon bureau qui est certainement la pièce la mieux rangée, c'est un bordel innommable. Voilà, j'ai un petit peu honte. Bon, allez, je vais aller faire un jeu sportif. D'ailleurs, je vous ai fait un haul, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai ça dans le petit i. Mais là, quand je filme de ce côté-là, comme ça, je sais pas si normalement ça devrait toujours être de ce côté, même si je vous filme comme ça. Je ne sais pas trop en fait. Mais bref, c'est normalement quand vous êtes en face de la caméra, normalement c'est à droite pour vous. Et moi je suis censée montrer à gauche, mais là vu que je filme dans le miroir, je ne sais pas si c'est le bon sens. Bref, et donc du coup là c'est une des tenues que j'ai prises et j'avais eu un bête de code promo. En ce moment, toutes les influenceuses elles font des codes promo, elles ont eu des partenariats avec. Ils sont trop trop beaux, ça fait un petit boule qui chamboule. Vraiment, parce qu'en fait il y a... ils mettent comme un tissu au niveau des fesses, mais d'ailleurs celui-ci il est moins... Non, si, c'est pareil, il est aussi marqué. Bref, ils sont vraiment beaux. Bon, ils gainent de ouf en plus, vous voyez. Genre, on dirait que j'ai un bête de ventre plat. Alors que c'est pas totalement vrai. Voilà. Donc ça, c'est un ensemble avec le... Il y avait le haut rose et du coup, le bas noir. Bref, du coup, allez voir mon petit haul, je vous dis ce que j'en pense, je vous montre les tenues du coup que j'ai prises. J'ai du coup un autre ensemble et une autre brassière, donc allez voir ça. Et je vous donne mon avis, les prix, patati patati, je crois que je vous ai marqué les prix, je me souviens plus faire. Voilà, parce que je vais pas encore monter la vidéo, simplement je vous en parle alors que la vidéo n'est pas encore mise, mais je sais que je la mettrai avant cette vidéo là. Voilà. Putain de merde les gars, j'ai mon colis, mais je suis trop contente. Je suis prête à chialer tellement je suis contente. Putain, j'ai une tête de merde, hein. J'ai toujours pas fait mon sport quoi du coup. J'attendais de digérer un petit peu après avoir mangé. Et du coup, il est 15h. Et j'ai mon fucking colis. Bref, je suis contente. Du coup, il est plus petit que ce que je pensais. Je vais vous mettre sur le petit trépied. Et je vais vous montrer les petites nouveautés. Qui seront déjà sorties quand j'aurai mis le vlog. Mais je vais quand même vous les montrer.
quand je vois le Dawa derrière moi, je me dis qu'il faut absolument que je mette des trucs sur Vinted parce que c'est pas possible. Bon, on va faire attention parce que je sais pas comment c'est mis. Putain, je l'aurais attendu en vrai, ce carton. Putain. Comment là ? Ça m'est jamais arrivé d'attendre aussi longtemps pour avoir un colis pro. Normalement, c'est ultra rapide. Après, en général. Enfin, en fait, là, c'est le seul fournisseur que j'ai qui est en Espagne. Sinon, c'est que des fournisseurs. Genre, les colis, en fait, partent de Paris. Donc. Je suis trop contente. Bref, je vais me calmer. Du coup. Oh my god. Bref. Donc, j'ai pris 3 modèles différents. Vous allez kiffer. Et j'ai pris 2 couleurs. Attendez, celui-ci. Oui, c'est le même. Ah voilà, il est là l'autre. Et si vous kiffez pas, franchement. Donc j'ai pris 3 modèles de sacs. Parce qu'en fait, j'ai sorti qu'un seul et unique sac. D'ailleurs, il m'en reste plus qu'un en stock. Si jamais ça vous intéresse, d'ici là, peut-être qu'il sera vendu, je ne sais pas. C'est le sac Mathilde qui est très original, qui est vraiment très joli. Enfin, il est simple mais original. Genre vraiment, il a sa petite touche d'originalité. Je l'aime beaucoup trop et oui, je lui ai donné mon nom. Voilà. Et du coup, j'avais grave envie de sortir des nouveaux sacs parce que j'adore ça en fait, les sacs. J'en ai vraiment plein moi. C'est abusé. Et je trouve ça ultra canon en fait, les sacs. Et là, je me disais pour l'été, je vais en sortir des petits sacs avec les couleurs grave à la mode, un peu pastel, machin. Enfin, vous avez kiffé. Et j'ai pris aussi des accessoires qui vont avec. Donc, je ne sais pas où ils sont. Ils sont là. Je me rappelais. Ah, je sais pas, j'avais pas cette couleur. Faut que je vérifie ça parce que. Bref, je trouve ça ultra canon quand même, mais je me souvenais pas d'avoir fait cette couleur. Bref, allez. You make me move.